Cantonné Jean-Claude Muyambo Kiassa a annoncé le mercredi 3 janvier 2023 qu'il quitte officiellement l'Union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi. Il a dit au cours d'un face-à-face avec la presse locale, nationale et internationale à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en présence des cadres et militants de son parti politique SCOD. À partir d'aujourd'hui, je quitte officiellement l'Union sacrée, a lâché celui qu'on appelle affectueusement le bulldozer. Pour Muyambo, certaines personnes ont induit le président Tshisekedi en erreur. L'idée du président Tshisekedi de créer l'Union sacrée était bonne. J'avais accepté librement d'adhérer à cette vision. Malheureusement, certains sorciers l'ont induit en erreur. Je n'étais pas à l'Union sacrée pour des galeries, mais pour des intérêts. Malheureusement, après que Danny Banza m'a proposé d'être ministre, poste et que j'ai refusé, il m'a demandé 3 noms de personnes de mon parti pour qu'il soit nommé ministre, chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui, regrette Muyambo. Jean-Claude Muyambo Kiassa a révélé également avoir dit au président Tshisekedi de travailler avec des leaders d'opinion. Malheureusement, il n'avait pas été compris. Il a promis de mettre mal à l'aise d'autres candidats présidents, car se disant avoir un programme pour sortir le peuple congolais de la misère. Avez-vous du courant? Avez-vous de l'eau? Êtes-vous bien payé? A-t-il interrogé la foule. Enfin, Muyambo Kiassa s'est déclaré candidat président de la République lors des élections prévues en décembre 2023 en RDC. Il a également annoncé qu'il va rencontrer prochainement Moïse Katumbi pour discuter d'un programme ou d'un candidat commun de l'opposition. Kwenda kona Moïse. Nitenda kumona ndake chokudi. Tutasumbulia. Et on va se mettre d'accord. Et nous allons diriger ce pays.